L'apparition de Meghan Markle au TED Talk de son ami Mizan Harriman a été analysée par un expert en langage corporel pour Express. Meghan a rompu la couverture pour la première fois depuis la publication d'une déclaration concernant sa décision de ne pas assister au couronnement du roi Charles III. Elle est apparue à un TED Talk pour présenter son ami. Meghan est apparue au TED Talk via un lien vidéo pour annoncer le photographe Mizan Harriman, qui a photographié certains des moments les plus intimes d'elle et du prince Harry. Une image de son apparition a été partagée sur le compte Instagram de Harriman, où il a écrit « La duchesse de Sussex a eu la gentillesse de me présenter sur scène pour mon @TED, merci pour le soutien Meg. » On y voit la duchesse faire un enregistrement de son étude dans sa maison californienne de 14 millions de dollars. Dans la vidéo, Meghan a loué l'œil inégalé de Mizan pour une bonne photo et a noté qu'il avait capturé de nombreux jalons significatifs pour moi et ma famille. Elle portait ses cheveux séparés au milieu, tombant longs et droits autour de son visage. La duchesse portait un haut sans manches rose pâle avec un décolleté bateau. Son maquillage était frais et léger, avec un blush rose et une lèvre rose assortie au haut. L'experte en langage corporel Judy James a commenté exclusivement l'apparence et a déclaré que Meghan ne poussait pas un look royal pour les images. Judy a déclaré « Meghan semble avoir opté pour un look très naturel, frais et plutôt jeune ici, conformément à la tendance populaire du moment. »